Montréal, 7 novembre 1990. Vers 19 h, les usagers de la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure, qui se trouve sur le toit de l'édifice, remarquent la présence d'un objet lumineux survolant leur tête. Les clients séjournant à l'hôtel, ainsi que certains membres du personnel, cessent toute activité pour se diriger à la piscine et confirmer la rumeur selon laquelle un ovni flotterait au-dessus de l'hôtel. Ils sont maintenant plus d'une trentaine à fixer et à pointer cette chose en question. Celle-ci correspond à une sphère aplatie, de métal sombre, qui projette dans les nuages des lumières dorées aux lueurs vertes et jaunes. L'événement est si étrange qu'on y envoie des autopatrouilles. Arrivé sur place, l'agent Lippé pense d'abord que les lumières pourraient être le simple résultat des projecteurs du chantier de construction avoisinant et ordonne alors à la ville que l'on éteigne ces sources lumineuses. Aussitôt fait, l'agent ne peut que reconnaître la présence de l'objet dans le ciel. C'est alors qu'il appelle les contrôleurs de l'aéroport de Dorval et Mirabel pour savoir si un objet insolite apparaît sur leur radar. Toutefois, on ne décèle que le trafic régulier, c'est-à-dire un cargo censé survoler l'île de Montréal à 6 000 mètres du sol. Le policier voit bel et bien l'avion en question. Toutefois, il remarque que l'appareil vole au-dessous de l'OVNI, ce qui veut dire que l'engin, maintenant stationnaire dans le ciel depuis 3 heures, serait non seulement très loin, mais également gigantesque. En effet, on estime la grosseur de l'objet à 540 mètres, soit l'équivalent de 5 terrains de football. Pendant ce temps, le maître d'hôtel prévient le quotidien La Presse, qui déploie le journaliste Marcel Laroche. Arrivé sur place, le journaliste pose son appareil photographique sur un point d'appui et fait quelques clichés. Vers 22 h 30, l'objet finit par se déplacer à l'est de la ville, puis disparaît complètement. Le lendemain, plusieurs quotidiens parlent de cet événement. Certains médias prennent le phénomène très au sérieux, comme La Presse et Radio-Canada. Des sceptiques mettent l'observation de ces lumières colorées sur le compte d'aurore boréale. Mais cette thèse est vite rejetée par Environnement Canada, qui affirme l'absence de tout phénomène météorologique du genre en la nuit du 7 novembre. L'armée et quelques soi-disant experts tentent même de faire taire le sujet. Par exemple, lors d'une émission populaire, l'éminent astronome Pierre Chastenet, sans avoir consulté le dossier en profondeur, soutient fermement que l'OVNI de la place Bonaventure n'était que le simple reflet des projecteurs du chantier de construction. Après cette intervention, les autres autorités closent malheureusement toutes investigations reliées à l'événement. Pourtant, qu'on y croit ou non, les nombreux témoins crédibles, tels que les agents de l'ordre, qui jurent de ce qu'ils ont vu cette nuit-là, ainsi que les clichés très fiables de Marcel Laroche, portent à croire qu'il y avait indiscutablement quelque chose d'extraterrestre dans notre ciel québécois.